Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Voilà c'est ses diamants. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'unboxing cadeau d'anniversaire. Alors j'ai deux colis, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je vais prendre celui-ci je pense. Alors dans celui-ci il y a une toile que moi j'ai achetée, c'est pour faire pour ma belle-mère pour Noël. Normalement. Oui. Alors, j'ai choisi ce modèle-ci. Avec la lumière, c'est pas facile. C'est une 14CT 58 par 78. Et vous voyez, c'est cette compagnie-là. J'adore cette compagnie. J'aime beaucoup. Cette fois-ci, c'est en pochette zip, comme ceci. Alors, nous allons enlever tout ce qu'il y a dedans. Il y a toujours dans cette compagnie la petite feuille de contrôle. Il va falloir que je contrôle tous les écheveaux avec, là c'est le nombre d'écheveaux que j'ai, et là c'est leur numéro DMC. Voilà. Alors, on va regarder ça après. Nous avons le toolkit avec les petits ciseaux. Nous avons la petite bague. Le petit pompon avec trois aiguilles. Le découvit, toujours utile, et l'enfil-fil. Alors, voici le modèle, vous verrez peut-être mieux sans la pochette. Oui, vous voyez bien. Ce sont un bouquet. Alors, les fleurs, je ne sais pas. Deux minutes, je reviens. C'était le petit moment chat. Alors, ça se présente comme ceci, avec plusieurs pages. Voilà. Alors, nous avons... C'est très très bien expliqué. Bon, là, il y a une petite tache, mais bon, c'est pas bien grave. Nous avons... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Et il y a 31 couleurs. Nous avons les symboles, le nombre de couleurs, les symboles et la référence DMC. Voilà. Alors. Ça, c'est parfait. Voilà. On a des petites cartonnettes pour mettre les fils. Ils nous en donnent toujours deux alors que j'ai 31 couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Voici tout le panel de couleurs. On va regarder ça ensemble. Oh là là, ils sont magnifiques. Alors, je suis désolée, la lumière est pas terrible. C'est le matin très tôt. Nous avons des tons de rose, de beige, de marronné. Oh, magnifique. Et voici la toile. Donc c'est du 14CT. Donc c'est plus petit que le 11CT, évidemment. Voilà, c'est du travail. Je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps. Et j'espère qu'elle sera faite pour Noël. Attention, je vous montre. Alors, elle démarre de là jusqu'à là-bas. Là, nous avons la petite photo d'identité avec la petite légende, comme d'habitude.
On va regarder l'impression sur la toile. Ça a l'air clair. Cette commande vient de AliExpress, hein. C'est pas vite crop stitch comme la dernière fois. Regardez, c'est très clair. C'est confetti, certaines zones. Mais j'ai quand même des grandes zones. Là, on a l'impression que c'est confetti, mais quand on regarde les cases, il n'y a que trois couleurs différentes, donc ça devrait aller. Et ben, il y a du travail. Voilà, voilà. Alors, c'est bien marqué. Là, ça va être la référence de la toile, ici. Là, ici, c'est 14. Ça veut dire 14 CT. C'est une 58 par 78 du stitch. Et c'est du 275 points par 385 points. Voilà. Alors, je vais essayer de la replier. Au cas où, si elle n'est pas vraiment finie pour Noël, son anniversaire, c'est mars. Donc, je lui offrirai pour mars, quoi. Alors, on va regarder un petit peu les couleurs. Cette compagnie-là, ça arrive tout le temps en échoue. Ah, j'ai mis une couleur. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur réelle. C'est du 37-50. C'est du bleu un peu canard. Vous ne voyez pas. Vous voyez marine, mais c'est pas marine. Il y a des jolis violets. Des marrons. Un joli rose. Encore un autre rose. En petite natte comme ça, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Encore un rose. Un marron tirant un peu sur le violet. C'est très beau. J'adore cette couleur. 915. Je vais me régaler à faire cette toile, je pense. 915. Là, du 931. Un bleu. Un marron. Je n'ai pas regardé si on a du 310. Oh, si, il doit bien en avoir. Oui, 3. Et est-ce qu'on a du 939? 3 également. Du 3371. 3. Le plus, c'est du 3740. Du 3861. Et du 777. 777, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, le 310 est en échou comme ceci. Un peu plus long. Ah, ce marron est magnifique. Très brillant. On a beaucoup de nattes comme ceci. Alors le prix, je ne pourrais plus vous dire. Et je crois que le site, c'est Milan. Il me semble que c'est Milan Scotch Stitch. Il me semble. Ah, le 777, c'est celui-là. C'est un rouge. Je vais mettre tout ça là et je vais faire le comptage après. Je vais mettre tout ça ensemble pour ne pas mélanger. Voilà. Et moi, je voulais une toile. Vous avez déjà vu ce modèle. Rappelez-vous, dans l'ancien unboxing. Mais je l'ai pris en coussin et je voulais en toile également. Donc, j'avais choisi en toile. C'est ce modèle-ci. Vous vous rappelez? J'ai choisi en coussin. J'aime beaucoup cette image. Et comme mes enfants voulaient me faire plaisir, voilà, ils ont tous participé. Et j'avais fait une précédente commande. Il manquait deux numéros et ils m'ont remis les numéros qui me manquaient. Ça, c'est cool. Ils n'ont pas oublié. Voilà. Je vais les mettre de côté pour ne pas mélanger. Et les toiles ne sont pas surjetées. J'ai oublié de vous préciser. Non. Hein. Non, c'est pas surjeté. Alors celle-ci, c'est du 11 CT.
Désolée pour le bruit. Celle-ci aussi, c'est en zip. Que j'ai déjà reçu, mais c'était pas en zip. C'était en sachet. Vous savez, comme les sachets de gruyère, on fait comme ça, puis après on appuie là. Il n'y avait pas de zipette. Comme ça. Enfin, moi je dis zipette. Je sais pas vous comment vous dites. Alors, attendez, j'ouvre place. Regardez-moi toutes ces couleurs. Je vais m'éclater. Regardez-moi ce rose, ce beige, du marron, du rouge, des orangés, des violets. On a toujours la petite liste, comme tout à l'heure, avec les références DMC et le nombre des shows. Donc, il va falloir que je fasse le check. Alors, comme tout à l'heure, nous avons toujours deux cartes nettes. Et le petit coupe-fil, cette fois-ci, il est vert. Avec le petit toolkit, toujours très très bien. Avec le découvite, l'amphifil, le petit pompon avec les trois aiguilles et la petite bague. Donc, nous avons en deux couleurs. Je vous remets un peu le modèle. Alors, c'est vrai que qu'arriver en échou, c'est long après à préparer, mais moi j'aime bien. Nous avons les explications. Il y a un peu de confetti quand même. Mais bon, de toute façon, hein. C'est un peu obligé vu le motif. Je vous montre la petite feuille explicative. C'est très très bien imprimé. C'est très très clair. On voit bien les symboles. Ça, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est pratique quand même. On ne sait jamais si on a un souci sur la toile pour se référer au schéma pour voir quel point il s'agit et quelle couleur il s'agit. Alors, c'est une 68 par 168, pardon, c'est du 259 points sur 259 points. Et elle est immense également. Mais bon, ça va être un peu plus rapide comme c'est du 11CT. Je vous montre l'impression. Je vous montre un peu plus le milieu. Pas évident. Voilà. C'est toujours mieux à la caméra. Moi, je vais regarder à l'œil nu. C'est plus pratique. Ça m'a l'air bien imprimé. Je vois très très bien les symboles. Oui, vous avez vu, il y a quand même des grandes zones de blocs. Et après, par ici, nous avons plus un peu plus confetti, mais bon, je vois les carrés. Il y a certains carrés, on change beaucoup de couleurs, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, cette toile-ci ne va pas être faite tout de suite, tout de suite. Je vais déjà faire priorité mes encours et ma toile pour ma belle-mère. Je pense qu'elle va être commencé peut-être début juin. De toute façon, on fera ça en vidéo. Voilà. Et je vous montre le dernier craquage. Après, il n'y aura plus de toile avant au moins l'année prochaine. Ça, c'est sûr. À moins que j'en ai pour mon anniversaire, mais ça m'étonnerait parce qu'ils sont pas... Je pense qu'ils connaissent pas grand chose au point de croix aux choses comme ça. J'ai eu mon papa hier au téléphone. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, si tu sais pas, t'as qu'à me donner des sous. Moi, je saurais quoi m'acheter. Je voudrais un métier à tisser sur pied. Enfin, un métier à tisser, un métier à broder sur pied pour mettre justement ceci. Donc, vous voyez l'épaisseur. Et il n'y a qu'un seul article à l'intérieur. Donc, j'ai jeté un boulon. Hein, soyons clairs. Soyons clairs, nets et précis. J'ai pris une toile méga, méga,
méga, méga immense. Je suis folle. J'en ai jusqu'à ma retraite. Je me le suis dit à moi-même. Je suis cinglée. Que voulez-vous ? Alors, je ne vous montre pas les motifs, mais je vais vous monter là. Voilà, déjà, vous avez un petit aperçu de ce qu'il y a à faire. Comme tout à l'heure, nous avons la petite feuille de suivi avec toujours les références DMC, les noms des chevaux. Après, ça, c'est leur char à Gouin, oui, à eux. Je pense que c'est la référence de la toile. Après, ça, je ne sais pas, ça correspond à quoi. Je ne sais pas. Alors, nous avons toujours le petit coupe-fil. Dans ces kits-là, on a toujours un petit ciseau, le petit kit avec le découvite, l'enfil-fil, le petit pompon avec les trois aiguilles et la petite bague. Avec les petites cartes nettes par deux. On a toujours ceci dans ces kits-là. Voilà. Je ne vais pas mélanger, je vais mettre ça là. Donc, on va regarder un peu les couleurs. On a tout un panel de marron, de beige, de bleu, de noir, de violet, de rouge. Toutes les couleurs inimaginables. Vous avez vu tout ça? Voilà. Alors, je vous montre le modèle. Hein? Vous voulez voir le modèle? Alors, on y va. Voilà. Je suis cinglée. C'est une 88x108. Et le modèle, c'est celui-ci. J'ai déjà vu et il me plaisait énormément. La petite maisonnette avec les petits arbres, le petit pont, la petite rivière. Ça nous représente énormément. Moi qui aime bien la nature, mon mari encore plus que moi. Pêcher, tranquille au bord de l'eau. Voilà. Alors. C'est une 11CT, toujours aussi bien imprimée. C'est un livret toujours comme d'habitude. Et il y a, à votre avis, combien de couleurs? Ah, pas plus que ça, 35 couleurs. Ah, je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Mais bon, 35 couleurs, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que pour une si grande toile comme ça, je pensais qu'il y en aurait au moins une quarantaine. Mais bon. Un petit peu déçu par le nombre de couleurs. Mais bon, c'est pas une toile non plus qui pète. Voilà. C'est la nature, donc beaucoup de vert, de marron, de noir, de rouge, de rose, de bleu, des marrons. Je vous montre le motif d'un peu plus près. Bon. On va passer à la bête. Hein? Oh, je suis folle. Je suis folle dingo. Oh, la média, il va me mettre 50 ans à faire. Hein. C'est obligé. Hein. Et je vous assure. Elle fait la moitié de ma table. Oh, voilà. Elle est immense. Oh, mais je suis folle. Vous voulez voir? Attendez. Alors, je vous montre. Alors là, vous voyez mon petit déj qui est sur le côté. Alors, c'est une 88x108 et c'est du 346 points sur 433 points. Voilà, voilà, voilà. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Toc, 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 toc. Et voilà le bas. On va voir l'impression. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais voir à l'œil nu. De toute façon, je suis en train de faire deux toiles de cette compagnie et j'ai pas de problème.
Mais je suis folle dingue. Vous pouvez le dire. Laissez-moi un petit commentaire pour dire que je suis folle. J'en connais une ou deux qui regardent mes vidéos et vont dire Vanessa, elle est pas bien. Alors, à l'œil nu, moi, je vois très clairement les symboles. C'est nickel. Alors, on a toujours la petite photo d'identité. Comment je vais vous montrer? Comme ceci. Voilà. Et le nombre de couleurs, 35 couleurs. Toujours sur le côté avec la petite image, les petits symboles et la référence. Oula. J'ai peur de taper dans la caméra et de vous mettre un coup. Comment je la refais? Je ne sais plus comment elle est. Comme ceci. Voilà. Après. Non, c'était pas comme ça. Comme ceci, voilà, j'ai trouvé. Après, je ne sais plus. Bon, je vais bien trouver. De toute façon, il va falloir que je la range. Elle va pas être faite de suite. Non, mais vous vous rendez compte? 88 par 108. Ah, je suis pas bien dans ma tête. Bon, bah maintenant il ne me reste plus qu'à checker tout ça, qu'il ne me manque rien, au cas où s'il me manque quelque chose, cette compagnie me renverra les échevaux. Parce que, comme la dernière fois, il m'en manquait, ils m'en ont envoyé. Donc, ça, c'est super. Je leur ai dit, comme je repasse une commande, mettez-la dans ma commande. Voilà. Le bazar. J'en ai au moins jusqu'à ma retraite. Je vais avoir 44. Allez, jusqu'à comment on a la retraite pas avant 65 ans. Hein. Donc, j'aurai le temps de faire de la broderie. Entre-temps, avec le travail. Mais bon. Voilà, j'espère que ce petit unboxing, ce méga unboxing, je dirais, vous a plu. Je vais vous remontrer les modèles. Alors, il y avait ma toile gigantesque que je ne mange pas, ma petite fille femme avec ses jolies fleurs dans les cheveux et les petites fleurs pour ma belle maman. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!